Le service de pédiatrie du CHU Hôpitaux de Rouen a accueilli le 9 mars 2016 l'association Un maillot pour la vie. Des sportifs de haut niveau sont venus rendre visite aux enfants et adolescents hospitalisés. Parmi eux, les joueurs du Stade Rouennais de rugby, du FC Rouen, de Rouen Métropole Basket et Handball, et encore l'équipe de Quidditch de Rouen Scrout. Le Quidditch, c'est en fait un sport tiré des films d'Harry Potter. Donc c'est un sport mixte qui se joue à 7 joueurs par équipe. Donc il y a le gardien qui protège les 3 buts. Il y a les 3 poursuiveurs qui sont eux chargés de marquer des buts. Les 2 batteurs qui sont là pour gêner l'équipe adverse, donc qui élimine les joueurs. Et l'attrapeur qui est chargé d'attraper le vif d'or. Au programme de l'après-midi, plusieurs animations, jeux de mime, de balles, quiz sportifs et musicaux, ou encore des défis sportifs. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Ça faiblit. C'est ouais. Et bah j'ai dansé. J'ai pris le goûter, j'ai eu des jouets. C'était trop bien. Bah c'est surtout le donner du plaisir aux enfants, voir que les enfants sont heureux de nous voir et. Je m'imagine à leur place et j'aurais été vraiment très heureux de rencontrer des sportifs de tout genre. Un après-midi magique qui s'est clôturé par un défilé déguisé, un goûter dédicace et une distribution de jouets en présence de Miss Rouen et des partenaires de l'événement. Quand on a des associations comme ça qui viennent, on n'a pas l'impression d'être à l'hôpital. Voilà, ça nous sort du contexte hospitalier tout en y étant, donc c'est super. Les sportifs se sont rendus au chevet des enfants alités, faire partager leur sport et leur offrir des jouets. Un moment de bonheur qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.